Hello à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo assez particulière. Donc je vais vous emmener avec moi lors d'une séance de travail à pied. Donc là avec mon petit canaille et petite particularité, nous allons lui apprendre la valse. Donc c'est un exercice qu'il ne connaît pas. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment j'agis, comment ma séance de travail à pied se monte, enfin mes programmes, etc. Comment je récompense, enfin toutes ces choses-là. Donc je trouve ça vachement intéressant. Et donc je Donc vous dans laisse un avec la premier suite. temps, je vais aller le faire marcher un petit peu avec moi. Je vais lui demander de faire des petites transitions et un petit peu de reculer histoire de voir s'il est connecté et puis un petit peu d'échauffer ses petites papattes. Du coup, monsieur est connecté, donc on va passer à l'apprentissage de la valse, hein, mon loulou? Donc là, je suis restée sur des récompenses caresses et voix pour le moment. Donc là, on est parti pour le tout premier exercice. Donc tout ce que je vais faire, en fait, simplement, c'est d'enrouler ma longe autour de lui. Donc là, je vais lui demander simplement un demi-cercle, donc qu'il se tourne, qu'il revienne face à moi. Puis après, au fur et à mesure du temps, puis je vais voir en fonction de ses réponses, je ferai un cercle complet. Donc j'ai placé ma longe. Super ça, c'est bien. Donc là je vais lui donner un petit bonbon vu que c'est le tout premier exercice. C'est très bien. Tourne. Super ça, ça c'est bien. Et donc là j'ai varié mes récompenses. Donc là j'ai fait première récompense alimentaire et deuxième récompense caresse avec la voix. C'est bien ça mon loulou, c'est très bien. Oui c'est bien. Donc là je vais changer un petit peu d'exercice et là je vais lui demander un petit reculé puis de revenir vers moi avec un rappel un petit peu énergique, juste pour un petit peu casser la routine. C'est tout après. Hein. À présent je vais commencer un petit peu le cercle complet, je vais voir un petit peu comment il réagit. Tourne. Oui, tourne. C'est bien ça mon loulou, oui, ok. C'est très bien. Voilà, allez, mange là, tu peux, ok, tu as le droit. Oui, tu as le droit. Voilà, tu as le droit, tu peux. Donc là on est en première pause, puisqu'il m'a bien fait le cercle on va dire. Donc là en première pause, il va pouvoir brouter, enfin faire ce qu'il veut. Du coup, je lui laisse 5 minutes. Tu veux continuer? On est reparti alors? Ici, je viens de construire un petit cercle, histoire de toujours continuer à casser un petit peu la routine. Voilà, que de faire des cercles simples dans la carrière. Eh bien, on va faire un petit cercle, donc une petite valse à l'intérieur du cercle que je viens de faire avec les plots. Voilà, juste pour toujours continuer à motiver son cheval, d'attirer sa curiosité, voilà, de vraiment changer un petit peu les choses. Pour finir, on va faire un dernier exercice avec un petit peu plus d'énergie. Donc là, j'ai placé mes plots à côté juste pour faire un petit obstacle. Donc je vais demander à Canette de faire une valse donc avant et puis après, on va venir courir tous les deux, sauter l'obstacle. Ok? Et après, c'est fini. Super ça, d'accord, très bien. C'est bon mon loulou. Donc là, il y a une petite pomme qui l'attend et puis je vais comme d'habitude à la fin de chaque séance, je vais prendre mon bouchon et lui gratter la tête parce qu'il a. Et voilà, ça. La séance est terminée. Donc moi, je vais ranger mes affaires et mon petit blond est parti rejoindre Choupa pour aller brouter. Donc là, je vais laisser au repos au niveau de cet exercice-là quelques semaines. Puis on reviendra un petit peu plus tard et pourquoi pas tester en liberté.